Excusez-moi pour le format de la vidéo, je suis en week-end de 3 jours avec ma femme, donc loin de chez moi, je peux pas, j'ai pas mes outils pour faire une bonne vidéo, mais il y a quelque chose qui est assez amusant. MJ a récupéré son compte Twitter et je fais, waouh, la vache, je suis super content pour lui, il va pouvoir repartager sa productivité, son professionnalisme dans ses vidéos, oublier toutes les guéguerres à 2 balles à gauche à droite et vraiment se focus sur ce qui lui fait kiffer la vibe et ce qui le rend heureux. Premier trade, un trade où il se plaint de moi, il m'appelle mon harceleur, que je serais un virus et qu'il faut militariser sa et qu'il faut militariser sa communauté pour qu'il puisse se protéger au maximum de moi. Je fais, putain, le mec, quoi. Au lieu de redémarrer sur des bonnes bases, il va direct. Alors, le truc qui est nouveau, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. Il a mis en place un bot. Toutes personnes qui me suivent sur Twitter sont instinctivement, non, instantanément, sont instantanément bloquées. Ça veut dire que MJ, en l'espace de quelques heures, a bloqué plus de 22 000 comptes Twitter. J'ai fait, waouh, la vache! C'est génial! C'est génial! Et là, je viens de sortir de mon jacuzzi. Vous savez, là, comme on dit, je suis dans ta jalousie, t'es dans mon jacuzzi. Et ça m'a tellement fait rire quand ça m'a popé ça dans ma tête. 22 000 personnes bloquées en claquant des doigts sur le simple principe qu'il me follow. C'est dingue. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez plus d'infos sur mon Twitter. N'hésitez pas à y aller. Bisous. Ah oui, très important. Je suis en week-end, tout le week-end, mais je vous ai programmé 3 vidéos. Et la troisième vidéo qui sort lundi, ça risque de faire commenter.